voilà, n'est-ce pas? C'est une invitation, je pense, que vous lancez aux petits poissons des chenaux afin qu'ils viennent mordre à vos hameçons, l'hameçon que tient en ce moment M. Maillot, le propriétaire de cette petite cabane ici, n'est-ce pas, M. Maillot? Oui. Dites-moi, il y a combien de temps que vous pêchez, M. Maillot? Alors, ça fait quelques 20 ans que je me occupe de pêche. 20 d'années? Oui, ah oui. Une cabane comme ça peut contenir combien de personnes? Ici, on peut contenir jusqu'à 10 personnes. Oui. Parce que c'est une cabane de 22 lignes. Et puis, c'est bon pour contenir 10 pêcheurs. Et à chaque ligne, il y a combien? Il y a deux hameçons, oui, je pense. Hein? Par ligne, oui. Et vous voyez... Ça mord ici. Ça mord? Tiens, ça y est, ça y est. Mon Dieu! Tiens! Voilà le petit poisson des chenaux. Oui, ça, c'est le vrai petit poisson des chenaux. Et il y en a des centaines et des milliers qui viennent ici chaque année. À quelle époque dure la pêche actuellement à Saint-Anne-de-la-Pérade? Ça commence à Noël, vers Noël, ça va jusqu'à la fête de janvier. Quoi, l'année dernière, au commencement de février, vers le 10 de février, c'est fait encore des belles pêches. Oui. C'est peut-être qu'à la fin, il est plus petit. Le poisson est plus petit, puis c'est... Ça me prend un poisson il est de... Il ouais. Parce qu'il vient frayer dans la rivière. Il vient frayer dans la rivière, oui. Ça, c'est un poisson qui est à peu près 10 pouces. C'est un beau spécimen. Un beau spécimen. Ouais. Ah ouais, ça, c'est... Ouais. Et dites-moi, vous, monsieur, est-ce que vous êtes de Sainte-Anne-de-la-Pérade également? Oui, oui. Vous êtes monsieur? Pêcher, Chadot. Et dites-moi, vous devez pêcher également depuis très longtemps, monsieur. Moi, je pêche depuis l'âge de 10 ans, puis j'ai 81 ans. 81 ans? Ben écoutez, on ne vous les donnerait pas, c'est certain. Non. C'est beau. Alors... C'est pareil. Alors, ça fait depuis, disons, 71 ans que vous pêchez ici à Sainte-Anne. Bon, et de quelle façon pêchait-on dans le temps? On pêchait... C'était comme maintenant? Ah non, il n'y avait pas de cabane de ce temps-là. Il n'y avait pas de cabane? On s'en allait au fleuve. Les premières années, là, puis... Il n'y avait pas de cabane, puis il n'y avait pas d'hameçon. On mettait une petite bouchée, après... Corde, là. Puis le poisson venait se pogner la bouchée, puis il y attenait, puis on le sortait. On pêchait à deux pieds d'eau. C'est l'histoire de la pêche à tapette. C'est plus vite qu'à l'hameçon. Il y a combien de cabanes installées actuellement, messieurs, ici? Oh, il y a quelques 600 cabanes dans le moment d'installer. De 5 à 600, oui. On prétend qu'il y en a encore 100-150 qui ne sont pas installés. Oui. Parce que la pêche vient seulement de débuter. Et on prétend qu'il y a encore 100-150 cabanes. À la fin de la pêche, on va avoir plus de 800 cabanes. Maintenant, est-ce qu'il y a uniquement les gens de Saint-Anne-de-la-Pérade? Ouais, n'importe qui. N'importe qui. C'est devenu un peu une attraction touristique. Une attraction. Il y en vient Montréal, Québec, puis Portneuf, Champlain. Évidemment, il y a également un petit poêle pour réchauffer l'atmosphère, mais je pense que vous vous aidez d'autres façons aussi. D'autres pour... façons, oui. Oui, un bon petit caribou, par exemple. Un bon petit caribou. Oui. Une fois, on s'en va à la pêche, puis il y avait un vieux qui pêchait, qui était assis sur une roche, puis ça ne mordait pas. Il a dit, ça mord pas, Guapil. Ça mord pas partout, puis c'est drôle, j'en prends pareil. Il y avait un petit flacon qui sort, là, puis... C'est drôle, ça mord pas partout, puis j'en prends pareil. Et dites-moi, tous ces gens qui sont sur la glace, il n'y a pas de danger que ça... Ça se défonce? On a la glace, deux pieds et demi d'épaisseur. Deux pieds et demi d'épaisseur. Les automobiles peuvent circuler. Les automobiles, les camions. Que dans certaines cabanes où il y a peu profond d'eau, on peut voir mordre les poissons au bout de la ligne. Ouais. Nous avons des lumières, on s'est installé une lumière électrique dans un bocal hermétiquement fermé. Un autre poisson. Qu'on descend au fond. Alors, on descend tout simplement une lumière électrique au fond de la rivière, là, dans le trou de la cabane, et puis on va mordre le poisson. Et je vous dis que c'est intéressant. Là, on étudie les mœurs du poisson, de quelle façon il s'approche de la ligne, puis de quelle façon il mord. Alors, ça nous permet d'étudier ces mœurs. Je voudrais savoir si les fans s'intéressent à cette pêche. Beaucoup. Oui. Justement, j'ai dans une de mes cabanes, oui. Il y a des femmes qui pêchent. Bon. Alors, les femmes sont beaucoup intéressées à la pêche. Bon, ben écoutez, avant de quitter Saint-Anne-de-la-Pérade, on va aller leur dire un petit mot. Et messieurs, moi, je vous remercie beaucoup de l'interview que vous venez de nous donner. Et évidemment, je vous souhaite une bonne et fructueuse pêche. Merci. Merci. Merci, monsieur. Oh, j'en ai deux. Ben dites-moi, madame, on est arrivé au bon moment, j'ai l'impression. Regarde donc, c'est beau. Il est très beau.
Est-ce que les femmes sont plus chanceuses que les hommes, madame? Je crois que oui. Vous pensez que oui? Je crois que oui. Est-ce que vous êtes du même avis, mademoiselle? Oh oui. Est-ce que vous aimez ça, la pêche aux petits poissons des chenaux, oui? Dites-moi, et ici, c'est votre petit garçon, ça, madame? Oui, c'est mon petit garçon, le plus vieux. Le plus vieux? Oui. Et il semble être un pêcheur émérite, hein? Ah, oh, il aime bien la pêche. Comment t'appelles-tu? Monsieur Mayotte. Mayotte. Le fils de Monsieur Mayotte qu'on a interviewé tout à l'heure, hein? Oui. Et t'aimes ça, la pêche? Combien en prends-tu, habituellement? J'en prends Ouais? Tant que ça? Mon Dieu! Et écoutez, il y a une question que j'aimerais bien vous poser, puisque ici il y a des dames. De quelle façon peut-on apprêter le petit poisson des chenaux? Il y a le poisson frit, puis il y a le poisson en étuvé, hein? Oui. Qu'on le poisson faire... frit, vous le faites cuire au beurre, évidemment. Oui, avec du beurre, puis le poisson en étuvé avec des pommes de terre, une pomme de terre, puis un rein de poisson. Ah, on fait bouillir, c'est très bon. C'est très bon? Oui.